La Voix des Bulles présente Canaille BD, le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier, alias Pierrick. Moi je suis Morgane et j'ai pas d'alias. J'ai 45 ans. J'ai 11 ans. Et aujourd'hui on va vous parler de... Courtney Crumrine et les choses de la nuit, c'est le nom du premier tome. C'est écrit et dessiné par Ted Neyfe. C'est sorti aux éditions Aquileos en France, chez Oni Press aux États-Unis. Et de quoi donc nous parle cette bande dessinée? Et bien, c'est une jeune fille qu'on ménage chez son oncle, qui s'appelle Aloysius. Compliqué à dire. Et c'est un peu une maison magique et il se passe des choses et Courtney n'aime pas écouter et voilà. Alors j'avoue, sur cette bande dessinée-là, je te laisse un peu en roue libre, Morgane, parce que moi je l'ai lu il y a très longtemps, j'en garde un très très bon souvenir, c'est une BD que j'avais beaucoup aimée. Donc il va falloir que tu ailles un peu plus au fond de l'histoire pour nous dire de quoi ça parle. Okay. Donc Courtney, pourquoi est-ce qu'elle va vivre chez son oncle et qu'est-ce qui est bizarre chez cet oncle-là? Alors je crois qu'il doit vendre une maison à côté de chez son oncle et un peu en ruine, hein, j'avoue, la maison. Et aussi il se passe des choses bizarres parce qu'il y a des histoires de magie et il y a des monstres, les choses de la nuit qui arrive, et Courtney, comme elle n'aime pas écouter, elle va dans la forêt interdite. C'est comme un peu dans Harry Potter. Et du coup, y a un monstre qui arrive et qui veut la manger. Et ses parents, ils s'occupent pas d'elle? Pas vraiment. Ah, parce qu'ils sont là quand même? Oui. D'accord, mais ils s'occupent pas vraiment d'elle. Ils laissent l'oncle s'occuper. Et l'oncle, il est comment? Comment dire? J'aimerais pas l'avoir dans la vraie vie. T'aimerais pas l'avoir dans la vraie vie? Il a l'air pas sympa? Oui, pas sympa. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il a l'air, si pas sympa? À cause d'une vieille histoire qui est dans Dérivée de Courtney Crumrine. Dans les séries Dérivées. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Courtney Crumrine va découvrir qu'il existe un monde de magie. Et Aloysius est quelqu'un de très influent. Aloysius. Quelqu'un de très influent dans cet univers de la magie, avec toutes ses règles, ces choses qu'il faut respecter. Et petit à petit, Courtney va apprendre la magie, mais elle n'est pas très obéissante, elle a tendance à ne pas vouloir trop suivre les règles, et elle fait beaucoup de bêtises. Oui. Beaucoup de bêtises. Elle arrive à s'en sortir quand même? Oui, ça va. T'as pas l'air convaincue. Bah, en fait, elle passe toutes les épreuves toute seule et elle arrive facilement à tout gérer. Ouais, elle est forte. Ouais. Voilà, mais elle a un seul caractère pourri. Ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est pire que l'adolescence. On va lire un petit extrait du premier tome. C'est un extrait où Courtney a trouvé le bestiaire des choses de la nuit. Elle commence à le lire et en même temps, elle se balade dans la forêt interdite où elle va apprendre des choses. C'était un chapitre fort utile que Courtney avait trouvé. Tu te souviens de moi ? Mon dessert ! Il y avait même un sous-chapitre intitulé « Capturer et domestiquer un gobelin ». Reviens, mon amour, je suis encore trop affamé ! Faudra accélérer, frisoter ! C'est gentil à toi de me donner un peu d'exercice, jeune fille, je m'en croûtais ! Te tracasse pas, je t'attraperai tôt ou tard ! Pauvre petite idiote, être mangée serait une délivrance pour elle ! Tout d'abord, il faut attirer la créature dans un bassin d'eau claire. Ah bah merde! Des graines de pissenlit le désorienteront momentanément, jusqu'à ce qu'on puisse l'attacher solidement avec une chaîne en fer. Tu te crois peut-être maligne, gamine? Je fais juste mes devoirs, à plus! Espèce de petit monstre, je te dévorerai le visage! Libère-moi! Mais ce n'était pas la fin du chapitre. Il faut attendre 3 jours et 3 nuits et revenir au crépuscule du 4e jour. Encore toi? Ça baigne? Je t'ai apporté à manger. Jambon fromage, ce n'est pas dont t'as l'habitude, mais... Si le gobelin accepte alors la nourriture venant de vous, il devra vous rendre un service. D'accord, mademoiselle, je sais tout. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je suis contente que tu le demandes.
Donc Courtney Cramerine est une bande dessinée, la version qu'on a nous est en noir et blanc, on reviendra après sur le fait qu'il existe une version en couleur, c'est une BD assez sombre, assez dure, c'est pas le genre de truc qui font un peu peur, c'est pas très très léger quoi, c'est pas... on a lu plein d'autres histoires de sorcières, mais en général c'était beaucoup plus légère, avec des choses un peu de la jolie magie, là c'est très très sombre quand même pour une jeune fille de 11 ans. C'est une sorcière, mais genre, pas comme dans les livres d'histoire ou d'autres genres, c'est vraiment une sorcière avec beaucoup d'aventures. Ouais, beaucoup d'aventures. Et elle est toute seule, elle a des amis ou... Oui, elle a Butterworm, c'est le grand monstre que vous avez entendu à l'arrière. Ouais, qu'elle arrive à attraper, ouais. Bah, il devient son ami. Elle a son oncle Alésius. Je croyais qu'il était méchant. C'est compliqué. C'est-à-dire, vas-y, raconte un petit peu, explique. Il a eu un passé très difficile, mais il aime bien sa petite fille, et donc, sa nièce. Donc du coup, il la protège et il l'aide aussi. Le fait que le dessin soit en noir et blanc, alors que bon, on est plutôt du genre à lire des BD en couleur en général, ça t'a pas un peu gêné? Surtout que c'est un noir et blanc très très sombre, hein, tu vois, il n'y a pas de gris, c'est vraiment du noir et du blanc. J'arrive facilement, quand je m'habitue à un livre, à imaginer les couleurs. Et je n'imagine pas, elles arrivent comme ça, comme si le livre était en couleur toute la vie. Alors du coup, voilà. Est-ce que ça fait pareil pour l'aîné? L'aîné? Oui. Courtney Cramerine, elle n'a pas de nez sur le dessin. Est-ce qu'il apparaît tout de suite dans ton imagination ou... Je sais pas, je n'ai pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué qu'elle n'avait pas de nez? Voilà. Et voilà, c'est un style un peu spécial hein, de dessin. Donc, elle se retrouve dans une école où elle apprend la magie. Oui. Voilà, mais ça, tu l'as pas dit. Pour l'histoire, quand même, ça a son importance. Et où elle a des épreuves à surmonter. Mais au début, son école, elle est pas magique. D'accord. Donc, elle a des épreuves à surmonter. Et surtout, elle va se retrouver au milieu de plein de complots sur les gens qui sont importants dans le milieu de la magie et duquel fait partie son oncle. Oui. C'était pas un peu compliqué, toutes ces histoires de relations entre les personnages, les histoires d'adultes qu'il y a au milieu? Non, le monsieur, il a essayé d'exprimer les histoires d'adultes, mais pour que ça soit assez facile pour les enfants qui comprennent. Tu penses que tous les enfants de ton âge pourraient apprécier? T'as pas peur que ça fasse peur à d'autres enfants? Ben, ça dépend du style, parce que par exemple, j'ai mon cousin. Ouais. Et il a peur de beaucoup de choses, moi aussi, mais ça va pour les livres. Et mon cousin a peur de vraiment beaucoup de choses, alors lui, je pense qu'il faudrait attendre. Ouais, ou lui être là pour lui expliquer, etc. Ça, ouais. Ça dépend du caractère, toi. Oui. Toi, t'aimes bien les histoires un peu sombres et d'horreur et tout ça. Bah, c'est cool. Ok. Oui, ça dépend vraiment. Oui, c'est toujours quelque chose de très difficile, hein. Tu sais, quand on veut faire lire un livre à un enfant, parce que chacun a sa sensibilité, et des fois, on a des choses, nous, on trouve que c'est un peu rigolo, et des fois, ça peut faire très, très peur. On avait eu l'exemple avec... t'as bien aimé Gremlins, mais t'as pas trop aimé Jurassic Park. Mais c'est pas drôle, Jurassic Park, ça fait peur! Ouais, on est d'accord. Et pourtant, t'as adoré Indiana Jones et le Temple Maudit? Ah bah lui, il est cool. Bon, enfin, on arrache des cœurs qui battent dans les mains des gens quand même, c'est un peu gore. Non. Oh là là, ma fille est une folle furieuse, je me méfierai d'elle. Si vous la croisez le soir dans la rue, partez en courant, elle est dangereuse. Donc, l'histoire est complète, il y a une fin. Oui. Voilà, il y a 6 tomes qui te racontent une histoire complète. La fin n'est pas très... En fait, on pourrait penser qu'il pourrait avoir une suite. Ouais, t'aurais aimé qu'il y ait une suite. Oui, parce que la fin n'est pas très très nette. Ouais, c'est une fin ouverte. Ouais, voilà. Qui te laisse, C'est une fin ouverte où soit ça s'arrête, soit ça peut continuer, mais genre... Chacun se fait sa propre idée. Ouais. Et il y a 2 hors-série qui nous racontent l'histoire de son oncle quand il était plus jeune et qui expliquent pourquoi il est devenu un peu aigri et un peu dur. Ouais, alors les 2 livres. Oh là là. Oh là là, quoi. Je veux rien dire parce que je vais spoiler. Sinon. Ah, d'accord. Bon, les 2 livres, ce que tu veux dire, c'est que l'histoire qui est racontée, elle n'est pas très joyeuse, quoi. Ouais, voilà. Voilà, et donc t'en es sorti à la fin, tu faisais « Oh mon Dieu, c'est pas très... Oh, c'est dur !» Ouais. Ouais, mais oui, mais c'est que ça explique un peu comment est-ce qu'il est devenu aussi aigri. Il y a des morts. Ouais, même s'il aime beaucoup sa nièce et qu'il est gentil avec elle. Oui. Mais un peu sévère. Oui. D'accord, et Butterworm, lui, c'est le personnage un peu comique. C'est une des choses de la nuit qui est un peu drôle. Oui, moi je l'aime bien, il est mignon. Il est mignon. Surtout le petit frère. Il est mignon, Butterworm. Bah oui, il est mignon.
D'accord. Surtout le petit frère. Le petit frère de Butter Room. Oui. Il a un petit frère. Oui. Ah, toi, j'avais oublié ça. Ah. Il y a une, donc une édition qui est sortie en couleur un peu plus tard, qui est là en moins de tomes, je crois, je ne suis pas sûr qu'il y en ait 6. Toujours chez Akileos. Les couleurs, effectivement, pour moi, ne sont pas forcément nécessaires sur ce type d'album. Mais je ne suis même pas sûr qu'on trouve encore la version noir et blanc. Et c'est vrai qu'on est sur... Il y a une collector. Je ne sais pas si on peut dire collector. Et c'est vrai que le trait de Ted Neffe, qui est, joue beaucoup sur les ombres et les contrastes, ça me fait penser à un autre auteur que tu ne connais pas un jour, il faudra que je te fasse découvrir quand tu seras plus grande, qui s'appelle Mike Mignola. Okay. Tout en ayant des personnages, les humains en tout cas, et surtout Courtenay, qui sont beaucoup plus stylisés. Beaucoup moins... C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est marrant, c'est que Courtenay, c'est la personnage qui est dessinée de façon la moins réaliste par rapport aux autres personnages, je trouve. Oui. Voilà, elle a vraiment son style à elle, son... Voilà. C'est quelque chose qu'elle a pour faire pas, ou est-ce qu'il y a un peu des choses un peu plus légères, un peu plus drôles dans cette histoire, quand même? Le Better Worm, il est là pour que ça soit plus drôle et... Il dit des bêtises, il fait des blagues... Ouais, il se prend le pied aux fesses. D'accord. Ah oui, c'est rigolo ça, les gens qui se prennent des pieds aux fesses. Oui, lui un petit peu, parce qu'il a toujours des mimiques bizarres. D'accord. Donc, Courtenay Crumrin, une excellente série, moi, que je recommande. J'y ai pris un très grand plaisir. Renseignez-vous un peu, voyez le caractère de votre enfant avant de lui passer, parce que peut-être que ce sera un petit peu dur pour lui. Voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Et puis voilà, bah, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lavoixdesbulles.fr pour voir toutes nos émissions si vous êtes adulte, et seulement Canaille BD si vous êtes un enfant. Et puis merci Morgane de nous avoir parlé de cette super BD que je suis ravi que tu aies apprécié, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah, c'est trop bien. D'accord. Eh ben, j'espère qu'un jour il y aura une suite. Tu sais qu'il a fait d'autres BD, cet auteur ? Que j'ai lu ? Non, il a fait des BD avec des pirates. Oh ! Je savais que les pirates, ça te donnerait envie. On va voir peut-être que si je vais essayer de les choper. Allez, merci Morgane, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir ! Et oui, j'espère qu'il y a une suite. J'ai fait n'importe quoi pour la fin. Pourquoi t'as fait n'importe quoi, tu dis ? Bah normalement, il faut que je mette le jingle en faible pendant qu'on commence à parler. Et ensuite, je rappuie sur le bouton là et le son il monte. Regarde là. J'ai tout foiré. C'est pas grave, ça sera bêtisier. Ouais. Je crois qu'en fait, j'ai plus besoin de jingle. Je vais juste laisser chanter tout du début à la fin.